Je n'en t'en réfléchis, il y a, quel est ce seul barbecue qui se chef gang dans le pays d'Haïti? Parce que bagay ça, nous pas qu'à comprendre. Comment fait que, pour toute sanction qui apprend, sorti Canada, arrivé dans le gouvernement britannique, passé par les États-Unis, barbecue c'est seul chef gang qui toujours sous liste là? Qui côté le mois sans juillet? Qui côté vite l'homme? Qui côté isoti la petite macaque entre autres? Qui côté chef gang sa eux-mêmes? Yo situé sous échiquier sanction que Canada, États-Unis, avec gouvernement britannique lui-même, a voyé par-ci et par-là. Qui sa barbecue exactement? C'est question ça que n'a posé dans moment ça que nous a parlé à la. Mesdames et messieurs, la police nationale d'Haïti arrive présenter yon bilan de année 2022. Nous pral saisi tande qui quantité bandit que la police mettait dans ménager. Nous pral saisi tande tout, mesdames et messieurs, qui quantité cas de kidnapping la police déjoué et qui quantité libération yon même yon arrivé fait. Pour yon l'année, nous pral saisi tande. Ako Montana pa bon côté pal désigné. Ako Montana pa bon côté pal décidé paraffer, mesdames et messieurs, document consensus que gouvernement Ariel Henry lui-même li mettait dehors depuis la fin semaine qui saute passé à la côté au Conseil national transition qui a gagné tête li Mirland Maniga qui a gagné Floridor ensemble avec monsieur Laurent a installé capable installer pardon demain vendredi 30 décembre 2022. Bagayo compliqué. Qui ça qui a passé exactement? Coucou tout le monde, bienvenue sur Info Section Information nous avec Fabula Jean-Charles. Encore une fois, c'est un plaisir pour nous rentrer la caille à rubrique information ça. Bien avant nous aller plus loin, on a pris temps pour nous dire merci ensemble avec vous-même qui like, qui commente, qui partage. Merci ensemble avec vous-même qui toujours invité, une famille ou un ami, abonné à Info 5 pour capable toujours être connecté avec bonne information. Jeudi assez, jeudi 29 décembre 2022. Bien avant nous entrer directement dans le développement titre, nous, mesdames et messieurs, Teriel Telus a annoncé sur le point pour cancel visa Tony Mix, mesdames et messieurs, à cause l'état a joué pour groupe Bandi en dans Village de Dieu. Et mais c'est avec un pile émotion que Tony Mix lui-même lui arrivé dresser cahier tout le monde qui chita qui a parlé. Comme quoi, l'ita ap travaille pour groupe bandit. Ensemble avec moi, en dans des déclarations, Tony Mix du GPI. Je me fais sembler, moun pa ka di m sa pou m fè. Parce que l'aime dans la rue, ban kalan be ka pradote sa, ou pa gran rien ou ka fè pou moi. Chaque moun ap regla fè pa yo, regla fè pa. Konnen ki yèt maman. J'en sou tande la, ça c'est pas prank, c'est en vérité, ça c'est Tony Mix qui t'a performé, qui casse maintenant men yon paquet moun et qui soit disant dit, yo c'est moraliste sur internet là. Ça et selon information nous joignent, t'es fait dans Village de Dieu côté qui était gagné isolant Tony Mix qui au même temps performé et bien les Tony lui-même était annoncé que l'a bien pour performer dans ghetto en pile monde des temps comme si a monter collecte yo a dit oui Tony isolant nèg pour jouer pour gang pendant même il a réglé a fait pas yo et bien là et nous t'es petit parti ça en plus pour être capable de comprendre. Donc selon Tony Mix tout le monde a réglé les affaires yo. Tout le monde a réglé cause personnelle. Donc, tout ça qui a proposé moraliste sur Internet, là, alors, rangez con nous parce que lui-même, fallait régler les affaires. Je une déclaration qui était faite côté, Tony Mix t'a fait connaître si toutefois, il a invité à jouer dans le village, il a invité à jouer grand avis, n'y pas aller. Est-ce que nous-mêmes, n'avons gagné capacité pour nous protéger de l'absence de jeu Carrefour? Est-ce que n'a pas possibilité pour nous protéger de l'absence de jouer dans le sud et la passer sous Matissan? Si on kidnappe, qui s'en a fait? Si yon assassiné qui s'en a fait, nous pral dit comme ça que mes amis, Didi a mouru mal. Bandi yon pas doué faire ça. Mais l'el accepte pour collaborer, ok? Pour aider moun dans le village de Dieu, au moins retirer yon stress, nous pas capable permettre nous, vim propose moraliste ou comme quoi, li pas supposé à jouer. Et dossier ça, c'est un dossier qui est vraiment complexe, mesdames et messieurs. L'em dit complexe parce que c'est chaque monde qui pral ouel selon point de vue pa yo.
Gen yon moun ki ap juge Tony Mix, gen yon moun ki ap d'accord avec Tony Mix, gen yon moun ki ap bay réseau pour ki sa Tony Mix accepte jouer en dans village. Donc situation ça que n'a fait face ensemble avec ki nan moment en dans pays d'Haïti, c'est pas une situation que nous supposé jouer ensemble avec li parce que c'est chaque moun ka pou bagarre avec point de vue pa yo. M ka vini là dans info 5, m critiquer décision Tony Mix prend pour la jouer village. Comme ça tout m te ka vini, m accepter et admettre décision Tony Mix prend pour la jouer en dans village parce que c'est Tony Mix qui connaît comment la vivre, pour qui ça la vivre, ok, qui projet que gagne sous la ville, qui ça a joué en un village capable de rapporter. Donc m'espérer nous comprendre exactement qui ça moi je dis par là. On rentre directement dans le développement titre nous, mesdames et messieurs, côté nous gagne gouvernement britannique qui t'a pris sanction contre Jimmy Cherizier alias Barbecue. Jimmy Cherizier alias Barbecue. On dirait que c'est un chef gang qui existait en dans pays d'Haïti. Sincèrement. On dirait que c'est un chef gang qui existait en dans pays ici là puisque n'a regardé bien. OK? Si n'a regardé bien mesdames et messieurs, n'importe sanction qui apprend premier monde pour sanction tomber contre lui, c'est Jimmy Cherizier. Qui ça Jimmy gagné comme dossier qui intéressait moun ça comme ça? Qui ça Barbecue lui-même, il gagné comme information qui mette moun sa yo sous doute comme ça? Posez tête toute question parce que c'est pas bagay qui a passé normalement comme ça. C'est pas bagay qui a passé normalement comme ça. Donc Barbecue lui-même li gagne une information qui vraiment propice, li gagne des détails qui capable entraver moun sa yo sans doute parce que yo pas qu'à fixer sous Barbecue comme ça, fixer que baka sel sous lui. Donc situation lui-même li vraiment compliqué. Et d'ailleurs gouvernement britannique a choisi, il dit Barbecue pas voyager en Angleterre, nous cancel. Est-ce que Barbecue lui-même t'a un visa? Est-ce que Barbecue lui-même t'a un billet là-bas? Donc c'est question ça pour nous poser. Eh bien, mesdames et messieurs, accord Montana. Accord Montana sorti une note de presse que m'pral prend le plaisir pour me capable lire pour nous mesdames et messieurs, le plaisir, j'ai bien dit. GROSAM, GROSAM, groupe des signataires de l'accord Montana. Numéro 13, rue Sylvain, Delma 75. Téléphone 38 01 47 34 48 57 88 98. Si nous avons pour nous plaire après notre SILA, nous capables de contacter membre accord Montana sous numéro SILA. Note de presse. Le groupe signataire de l'accord Montana salut l'initiative de la société civile, des partis politiques et le secteur privé des affaires, montrant leur bonne foi dans la poursuite du dialogue en vue d'une solution à la crise haïtienne. Ce geste historique de s'asseoir, de discuter des problèmes cruciaux du pays, de finaliser un document et d'apposer des signatures n'est pas coutumier des acteurs politiques de ces dernières années. Donc ça veut dire là, ça fait quelque temps que acteurs politiques en Haïti n'ont pas de jam chita pour te mettre signature sur un dossier de consensus qui est capable d'aider le pays d'Haïti à faire face ensemble avec la crise. L'élite politique devrait comprendre que l'heure est grave. La nécessité de mettre à côté leurs intérêts claniques et individuels s'impose, car la population n'en peut plus. Ce document accoucheur de nouveaux accords aura pour mission, d'après ses considérants et articles, de rendre nos institutions républicaines fonctionnelles au terme de consensus politique en haut du Conseil de transition HCT, un organe de contrôle de l'action gouvernementale au CAG et un conseil électoral provisoire CEP verront le jour. Donc, ces trois bagages sont au cap sauté. Non, accord de consensus là. C'est pourquoi le groupe signataire de l'accord Montana Grossam a paraffé le dit document en vue de donner un signal clair de tester la bonne foi du gouvernement en place et des autres partenaires intéressés. Nous réitérons notre engagement pour un consensus national inclusif porteur de la stabilité politique, sociale, économique et sécuritaire du pays devant déboucher à une transition de rupture capable de mettre le pays sur les rails démocratiques et républicains. Vive Haïti! Vive le consensus national inclusif! Vive la démocratie! Fait à l'hôtel Caribé le 24 décembre 2022.
suivre les signatures des membres de la commission du dialogue politique CDP. Monsieur Rodolphe Pierre, Haïti Debout président. Madame Michel Jean, Obs Chea, vice-présidente. Monsieur Harry Moqueur, Panoga, secrétaire. Monsieur Tali Guirand, société civile engagée, conseiller. Maître Jean-Willy Lazare, parti indigène, conseiller. Maître Roman Omeus, Haïti positif, conseiller. Madame Melita Pierre, Ranam Sap, conseillère. Donc là, nous sommes capables de que l'accord Montana, lui-même, bail accord pour nous capables de signer accord de consensus gouvernement Ariel Henry. Par ailleurs, nous connaissons que pral y a une grosse discussion qui pral péter là parce que le bureau de suivi de l'accord pral déclarer que eux-mêmes, ils n'ont pas au courant de ça qui a passé là. Donc, ce sont des jouets techniques que nous tous là, nous au courant de lui déjà. Mais, connaissant que l'accord Montana fait partie désormais, mesdames et messieurs, de consensus là, permettre communauté internationale, la kounya là, l'ouvrir yon lodge sous ça qui a passé actuellement là, en dans pays d'Haïti. Je t'ai commencé à mettre de côté accord de consensus gouvernement Ariel Henry parce que li pat assez inclusif. Les deux gros accords qui viennent de pays, accord Montana et accord 11 septembre, accepté fusionner pour paraffer documents, si là, ça veut dire que pays a lui-même, li commence à faire yon pas ensemble avec dialogue là. Il commence à faire un pas avec dialogue là. De 2021 à 2022, nous fait plus passer yon l'année. Depuis commission sous commission à venir en Haïti. Depuis rencontre sous rencontre à fête pour que j'aime yon bagay comme ça qui fait dans l'histoire là depuis yon l'année. Malgré toute discussion, malgré tout palapir, t'es toujours gagné un désaccord quelque part. J'ai jodi à la poser cette question. Pour qui ça gagne un accord ça tout bon vrai? Est-ce que c'est vous parliez crise socio-économique et politique pays d'Haïti? Ou du moins, des intérêts personnels qui en jeu dans le moment? Faut que tu pas éviter pour ça. Est-ce que gagne des intérêts personnels qui en jeu dans le moment? Ha! Et là, m'abtend nous. C'est là, m'abtend nous. Donc, là, tu vas demander, Steven Benoît dit, moi-même, pas qu'on a une bagaille ça. Je fais ça, moi-même, ça crée des accords, là. Mais, regardez, qualité frappe, ça, secteur privé des affaires, là, prend. Je n'ai pas besoin d'accepter, rester de côté. Donc, là, faut presser, presser, au jeune solution. D'ailleurs, faut que tu montres que Canada, avec États-Unis, y a travail dans l'intérêt pays d'Haïti. Faut que tu montres que y a travail dans l'intérêt pays d'Haïti. Et voilà, mesdames et messieurs, l'accord Montana montre à bord du consensus inclusif national. La police nationale d'Haïti présentait un bilan de toute opération qui menait dans l'année 2022. Ensemble avec moi, entendez déclaration. Porte-parole la police à Gary Desrosiers. Thank you.
Parler avec population pour une deuxième fois. Dernier, ça a gagné environ 6 mois. Et je dis, je vais présenter bilan ensemble de opérations et de travail qui fait pour l'année 2022 au niveau de la police nationale. Également, perspective que l'on gagne pour l'année 2023. Nous sommes capables de constater que le commandant l'a accompagné de plusieurs membres dans le commandement, également quelques unités spécialisées. Commandant chef là, il est accompagné de l'inspecteur général en chef là, qui c'est M. Fritz Saint-Fort, directeur cabinet là, qui c'est inspecteur général de la police judiciaire, inspecteur général Frédéric Lecomte, DCPA, inspecteur général. DCASG, c'est M. Wensi Bélibé, inspecteur général Marie-Elva Sinora Nassar-Pierre, inspecteur général Francène Moreau, inspecteur général Jean-Yonel Tressil, inspecteur général Max Hiller, et avec les commissaires visionnaires Jean-Bourest-Étienne, directeur personnel PNH-LA, commissaire divisionnaire Marie-Jeannette Bateau Salomon, commissaire visionnaire Kestel Pierre, commissaire visionnaire Ghislaine Désir, et pour faciliter Nicoa et journalistes pour capable poser question, c'est le commissaire de police, Marie-Michel, qui lui-même qui va gagner fonction ça, je veux dire. Sans plus tarder, ma pensée est comme le chef là, Nicoa. Je vais prendre le chef. Et en pile fois, qu'on y ait un pillage après manifestation, ça blocage route, événement pays loc, crise carburant, blocage terminal Vareux, qui c'est le principal site de stockage et de distribution carburant en un pays, ou du pétrolier en un pays. Grâce à engagement et détermination policier, esprit de sacrifice, malgré maigre moyen que nous avons à la disposition, nous réalisons ensemble d'opérations. Il y a 1140 opérations qui sont réalisées, 63 perquisitions qui sont faites à travers tout le pays. Au cours de l'opération SAO, il y a 12 964 arrestations qui sont faites. Et qui répartit comme ça. 301 pour assassinat, 348 pour drogue, gagné 124 pour trafic et traite de personnes, 61 pour crimes financiers, 312 pour viol, 334 membres actifs différents gangs qui gagnent dans le pays. Au cours d'opération ça a eu, nous faisons de saisie tout. Nous saisissons 367 armes à feu. Et parmi eux, nous avons 39 fusils d'assaut. Nous saisissons 146 234 cartouches. Les armes que nous avons gardées là, et au moment de nous filmer, c'est en partie les armes que nous saisissons. Parce que nous avons des armes
qui obligé rester dans juridiction yo parce que yo la main autorité judiciaire yo pour la suite judiciaire. Comme exemple, nous avons 20 qui étaient dans le nord, 16 étaient dans le sud-est, dans la justice et autres. Au cours de l'opération Sarayotou, nous saisis 2738.38 kilos de drogue. Et parmi eux, il y a 54.87 kilos de cocaïne. Nous détruisons 5 plantations de drogue. L'engouement contre kidnapping, le phénomène de kidnapping. Non. Nous libérons 41 otages. Et nous déjouer 93 cas de kidnapping à travers de la zone métropolitaine, spécialement Port-au-Prince, Delma, Pétionville, Torcel, Croix-des-Bouquets, Tabar et la région et le département de la Tibonite. Nous avons 149 bandits malheureusement qui blessés mortellement dans l'échange avec la police. Il y a 58 véhicules et 2533 motocyclettes que nous récupérons, ou du moins confisqués. Nous saisis 3 bateaux avec un yacht. Nous pas seulement arrêté l'enfer opération dans la rue seulement, mais en dans l'institution de la police, là, nous prenons des mesures pour nous assainir l'administration de la police. Mesures ça yo, nous révoquons 1432 fonctionnaires. Et parmi là dedans, il y a 1254 policiers, 174 employés administratifs pour diverses causes. N'a noté que travail enquête yo. Donc, son synergie qui est développée en commandement entre l'inspection générale de la police là et la direction centrale de la police judiciaire. L'autre mesure, dans le cadre d'assainissement institution, nous retournons en finance. Ok. Donc, pendant toute année 2022, nous arrivons blessés mortellement 149. Bandi. Pour bandi, je connais qu'il a opéré en dans pays d'Haïti. Nous déjoué 93 cas de kidnapping. Nous arrivons à libérer 43 otages. Il y en a plus, yo, on dit 130, 136. Alors que, il y a plus de 1000 cas de kidnapping qui fait en dans pays. Ya. Ça est ça qui fait dans. Ça nous courons de yon. Ça nous connaît yon. Donc ça ne connaît yon pas même côté. Donc, la police, ça qui passe exactement? Qui ça qui passe exactement? Toute journée, nous mortellement blessé un bandit. Bandit ça, photo le pas jamais paraître dans la presse. Nous pas jamais connu qui bandit. Ok? Donc, journée jodi, à la nouanik vini, nous baille, yon qualité bilan pour yon année. Yon année nous stoppe 149 bandits dans yon pays côté ces actes banditistes toute journée qui a fait actualité, mais définitivement qui ça nous voulait même, qui ça nous prouvait peuple là même. Donc, qui travaille que nous avons fait, c'est question ça qu'a posé exactement. Nous allons détourner. Qui travaille que nous avons fait? Qui travaille? Qui travaille? Pendant yon l'année, quand plus de 1000 cas de kidnapping répétés, nous déjouer 93, nous libérer 43 otages. Et l'autre yo, est-ce que yon mouri? Est-ce que yon mouri? Est-ce que yon te arrivé payer rançon yon libéré yon? Est-ce que yon vann yon? Qui ça qui passe exactement ensemble avec Ressio? Donc, côté serveur logistique, la police là. Côté secteur, la police là qui gagne pour travail sous données si là yon. Côté données logistique ça yon. À moins que nous pas au courant de ça qui a passé. D'ailleurs, même bilan ça nous balala, m'sûre et certain que nous pas connaît qui bilan lié. Nous pas connaît qui bilan lié. Donc, la situation se complique en Haïti. Mesdames et messieurs, et demain, il est possible pour yon mettre sous pied au conseil de transition.
Et bien avant nous aller, pas oublier, Challenger a continué jusqu'à 31 décembre 2022 avant minuit, côté wap gen pour voir audio avec vidéo de cover musique Yogobe Jojoa. Et c'est là que nous mettons bout ensemble avec Rubik. Tout bonjour dia, merci d'être que vous like, commentez, partagez. Et merci d'être que vous invitez en famille ou en amis ou abonné à Info 5 pour capable gen bon information. Nous pas rendez-vous pour la prochaine sortie Rubik. Ça. Restez bénis et protégez-vous. Bye bye, à la prochaine. Ça fait la clavicie.